télé, la VDC. Is Dr. Noël Tchaloui, un haut fonctionnaire international travaillant pour la Banque mondiale à Washington depuis 1992. Depuis deux décennies, il a occupé plusieurs fonctions à la Banque mondiale, dont les plus récentes sont celles de chef de mission en charge du secteur financier et privé et de représentant résident de la Banque mondiale en Afrique. Dans cette capacité, il est reconnu pour avoir restructuré avec succès les banques centrales, le système financier et les monnaies et d'avoir contribué au développement et à la croissance des économies de différents pays, tant en Afrique qu'en Europe de l'Est. Avant de rejoindre la Banque mondiale, Dr. Noël Tchaloui a travaillé pendant 10 ans pour trois banques américaines, Citibank, Republic National Bank de New York et JP Morgan Chase à New York. Cette expérience était le prolongement d'un stage professionnel à la Banque nationale de Paris en France. Dr. Noël Tchaloui est l'auteur de 5 livres intitulés « La bataille pour une monnaie nationale crédible », Vision pour une monnaie forte, Building Credible Central Banks, La force du changement, Bâtir un pays plus beau qu'avant. Et au grand mot, le grand remède, un plan Marshall pour la RDC. C'est un livre, This book just came out, 2016. Il est aussi l'auteur de plusieurs articles intitulés « How to reform the Democratic Republic of Congo ». Very specific, interesting. Un plan Marshall pour la RD Congo. Au grand mot, les grands remèdes. Article. La chute de l'euro et son incidence. La chute de l'euro et son incidence sur l'économie de la zone monétaire. Pour une monnaie nationale crédible au Congo. You guys have his biography, so you can read it. And there's an English version if you go to Google that you can get. J'ai vraiment le plaisir de vous présenter Dr. Noël Tchaloui. Well, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Walter pour cette introduction qui a fait pratiquement mon travail ici. Donc je ne sais pas ce que j'ai encore ajouté à ce qu'il a dit, je crois qu'il a terminé ma présentation. Alors je voudrais le remercier pour les mots gentils qu'il a prononcés dans mon égard. C'est quelqu'un que j'ai connu pendant, on était tous les deux très jeunes, ici à New York, où j'étais encore étudiant. Et je pense que lui, il venait à peine d'arriver. Et on se voyait souvent, mais on n'avait pas l'occasion de parler donc à l'époque des questions qui touchaient à l'intérêt national, qui touchaient donc à la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on se retrouve en train d'être préoccupé par la situation du pays et surtout par la situation de nos compatriotes qui sont restés donc au pays. Donc je suis très heureux qu'il ait eu donc le temps de pouvoir organiser donc cette rencontre d'aujourd'hui qui nous permet de discuter, de réfléchir sur la situation de la République démocratique du Congo. Je voudrais, avant de commencer la présentation proprement dite, saluer la présence donc dans la salle de quelques compatriotes qui sont venus de très loin pour venir donc participer à cette rencontre. Ils sont venus donc de la Caroline du Nord, du Raleigh, en conduisant pratiquement pendant 9 heures de temps. Et il y en a aussi qui sont venus d'Atlanta en Géorgie, qui sont venus spécialement pour participer donc à cet exercice. Je suis très reconnaissant que vous soyez ici. Et nous allons pouvoir partager donc ensemble ce que nous connaissons sur la RDC et ce que nous voulons faire. Ouais, mesdames et messieurs, le thème de la conférence, c'est ma vision du développement de la République démocratique du Congo afin de créer des opportunités pour tous les Congolais.
Ce sujet, comme vous pouvez imaginer, est très complexe. Pour traiter de ce sujet, je voudrais d'abord faire le diagnostic de la situation actuelle de la RDC et identifier les défis de développement avant de présenter la stratégie pour accélérer le développement économique et social du pays et créer des opportunités pour tous les Congolais. Mais commençons par le diagnostic de la situation actuelle. La RDC négocie actuellement un tournant décisif de son existence. Affirmer que rien ne marche parfaitement et que la plupart des indicateurs économiques, politiques et sociaux demeurent au rouge n'est pas une exagération. À titre indicatif, le classement fait en 2014 par le Programme des Nations Unies pour le développement, portant sur l'indice de développement humain, place la RDC en avant-dernière position, juste devant le Niger, un pays désertique, faiblement doté en ressources naturelles et humaines. Le gain de 11 places dans le classement de 2015, en passant de la 187e place à la 176e position sur 188 pays, n'a rien apporté comme amélioration dans le vécu quotidien de la population congolaise. L'organisation non gouvernementale Transparency International, quant à elle, aligne la RDC parmi les pays les plus corrompus de la planète en 2014, en 2015, successivement. Et ceci est surprenant, pourquoi ? Parce que ça intervient un an après la désignation par le chef de l'État d'un conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption et en matière de promotion de la bonne gouvernance. Donc, le panel des experts africains, dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, quant à lui, estime que 85% des ressources naturelles de la RDC prennent une autre destination que celle des caisses de l'État. Ces fonds atterrissent plutôt dans des poches de particuliers, privant ainsi le pays des ressources financières importantes pour le financement des gros projets de développement. Et le rapport Doing Business, qui est préparé chaque année par le groupe de la Banque mondiale, place la RDC à la 184e position sur 189 pays en 2015, en utilisant comme critère le climat des affaires. Il est par ailleurs de notoriété publique que plus de 90% de la population vivent sans eau potable ni électricité. L'enseignement a connu une détérioration qualitative inquiétante, comme le disait Walter tout à l'heure. Il n'est pas surprenant aujourd'hui de trouver des jeunes Congolais sortant des universités congolaises, mais ne sachant ni lire ni écrire correctement. La croissance économique du pays paraît solide sur papier, mais bien qu'en léger recul, elle est attendue autour de 7% entre 2016 et 2019, contre 7% l'année dernière, et l'année d'avant, elle était donc estimée à 9,5%. En cause, c'est la chute des prix des matières premières. Je crois que l'un des participants, avant que nous puissions commencer cette discussion, a soulevé cette question. Le Congo connaît aujourd'hui donc la baisse de ses ressources budgétaires. Pourquoi ? Parce que les prix des commodités sur les marchés internationaux ont baissé et nous dépendons beaucoup plus de l'exportation donc, d'une matière première qui est le cuivre. Et ceci est même surprenant. Pourquoi ? Parce que, en principe, nous avons beaucoup plus de matières premières que juste le cuivre. Mais le problème, c'est que l'exportation de certaines des matières premières, ça n'entre pas dans les caisses de l'État comme on le souhaite, comme l'a dit le président Thabo Mbeki, qui estime que 85% des ressources n'entrent pas dans le budget de l'État. Donc la croissance économique sur papier, qui paraît être intéressante autour donc de 7% par an, en réalité, cette croissance économique n'est ni inclusive, ni palpable, et encore moins verte. On ne sent pas les fruits de cette croissance. La population ne vit pas cela. En tenant compte des taux de croissance de la population qui tournent autour de 3% par an, nous avons besoin de taux de croissance économique beaucoup plus solides, beaucoup plus élevés que ce que nous avons aujourd'hui, si nous voulons réduire donc le niveau de pauvreté. Sinon, on va maintenir donc une croissance économique qui ne réduit pas en réalité donc la pauvreté. Le chômage en RDC avoisine pratiquement 85% de la population active du pays, en dépit des statistiques officielles qui restent très contestables d'ailleurs. Et nous savons qu'il y a un lien direct entre chômage et pauvreté. Quand vous êtes chômeur, vous n'avez pas de revenus, vous êtes automatiquement pauvre. L'espérance de vie à la naissance en RDC est de 50 ans, contre 82 ans aux États-Unis, s'il vous plaît, soit un écart de 32 ans. Quelle perte précoce de vie humaine dans notre pays. D'après Global Finance Magazine, qui utilise les statistiques de la Banque mondiale du Fonds monétaire international,
Avec un PIB par habitant de 394 $ en 2015, la RDC est le pays le plus pauvre du monde avec 88% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en dépit de toutes les ressources naturelles que nous avons. Le franc congolais, monnaie nationale et symbole même de la souveraineté du pays, ne vaut rien aujourd'hui par rapport à sa valeur en juin 1998. En 1998, un franc congolais achetait 72 cents d'un dollar américain contre zéro aujourd'hui. Le franc est totalement supplanté par le dollar américain qui représente 95% de la masse monétaire du pays, ne laissant à la monnaie nationale qu'un rôle marginal. Donc la dollarisation a complètement envahi l'économie nationale. On ne sait plus au Congo aujourd'hui quelle est la véritable monnaie nationale. L'agence américaine de notation Standard & Poor's a abaissé les perspectives de la note de la RDC en février 2016. Bien que la note souveraine du pays soit maintenue à B-, comme on dit en anglais, les perspectives sont passées de stable à négative. En cause, un accroissement des vulnérabilités vis-à-vis de l'extérieur, le recul des réserves d'échange, la hausse des déficits courants et les incertitudes électorales. Les réserves d'échange du pays sont en chute libre et ont atteint un niveau faible de 1,2 milliard de dollars le 31 décembre 2015, ce qui correspond à environ un mois de paiement courant en comparaison à la norme acceptable des 3 à 6 mois pour un pays donc en développement. Selon les statistiques du Fonds monétaire international, ces réserves étaient de 1,7 milliard de dollars en fin 2013 et de 1,6 milliard de dollars en fin 2014. Et le recul des réserves d'échange et le creusement des déficits courants sont le résultat, comme je l'ai dit, de la baisse des prix des matières premières sur le marché international. Et comme nous dépendons beaucoup plus donc du cuivre, le prix du cuivre donc a baissé. Ça a un impact donc sur la situation des réserves donc du pays. Et ceci est même surprenant. Pourquoi ? Parce que le Congo devrait exporter aussi beaucoup d'autres matières premières. Mais ces matières premières-là sont en partie exportées frauduleusement et n'entrent pas donc dans les caisses de l'État. Il faut aussi relever les incertitudes concernant les prochaines échéances électorales. Le coût, les difficultés d'organisation, la contestation possible des élections qui sont prévues cette année, y incluent les présidentielles et aussi les législatives, sont donc des éléments qui ont été pris en considération par les agences de notation pour arriver à baisser les perspectives. Donc, il faut donc s'inquiéter de la façon dont les élections vont être financées, étant donné les ressources de financement limitées du gouvernement et aussi étant donné la réticence des bailleurs de fonds étrangers à pouvoir mettre l'argent donc dans cette opération, étant donné que certaines des conditions ne sont pas réunies, notamment l'exigence de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels tels que prévu par la Constitution. Donc autant d'éléments qui justifient les perspectives négatives associées à la note donnée au pays par les agences de notation. L'endettement reste élevé malgré l'obtention par la RDC d'une réduction de son endettement en 2010 dans le cadre de l'initiative PPTE, donc des pays pauvres très endettés. La dette est attendue environ 17,1% à la fin de l'année 2016 contre 17,6% à la fin de l'année 2015. Elle devrait s'accroître progressivement pour atteindre 21% du PIB à la fin de l'année 2019. Tout cela, ça paraît donc faible sur papier comme ratio, mais pour un pays qui a tout à reconstruire, j'estime que son niveau d'endettement reste encore élevé. Mesdames et messieurs, malgré ces remarques introductives négatives, moi, je reste optimiste et je crois sincèrement que la RDC peut se redresser si on arrive à avoir une vision claire de ce que nous voulons faire, si on veut donc avoir un plan de développement digne de son nom. Mais avant de vous présenter donc mon plan de développement, je souhaiterais passer en revue très brièvement ce que j'appelle les défis de développement, les challenges of development. Pour arriver à un destin radieux, la RDC doit relever de nombreux défis de développement. Qui sont lesquels ? Le leadership politique du pays, la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, l'état des droits, l'inclusion, le développement en milieu rural, l'investissement privé et public, le gap infrastructurel, le climat des affaires et la démocratie. Je vais passer en revue chacun de ces défis brièvement pour qu'on ait la même compréhension des choses. Il est impossible, je pense, de résoudre les problèmes donc d'un pays si le leadership politique n'est pas à la hauteur des ambitions de développement de ce pays. Un leadership jouissant de la légitimité populaire ne peut être obtenu qu'au sortir des élections législatives et présidentielles transparentes,
organisée dans les délais constitutionnels et dans le calme, et aboutissant à la mise en place d'institutions crédibles. La RDC a besoin de leadership politique nationaliste, visionnaire, éduqué, compétent, intègre, rassembleur et surtout sécurisant pour tout le monde. La sécurité demeure fragile en RDC. Si la paix n'est pas au rendez-vous dans un pays comme le nôtre, les gens n'auront pas le courage d'investir dans le pays. Trop de violences et trop de crimes ont été commis ou sont commis tous les jours sur les citoyens congolais. Des viols, des assassinats, des confiscations des biens d'autrui, des destructions massives des richesses. Le pays doit en conséquence se doter d'une armée et d'une police réellement républicaine qui protège tous les Congolais et leurs biens, sauvegarde l'intégrité des frontières et la souveraineté nationale, tout en rassurant surtout les pays voisins aussi. Si on a la paix et on a la sécurité, alors l'investissement privé et public deviendra l'un des premiers ingrédients de la croissance et de la prospérité économique. Mais par investissement, qu'est-ce que j'entends ? J'entends des investissements physiques, bien sûr, des investissements dans les infrastructures physiques, bien sûr, mais aussi dans le capital humain, car c'est ce dernier qui détient les clés de l'avenir du pays. La population congolaise a besoin d'une meilleure éducation, elle a besoin d'une meilleure formation, elle a besoin d'une bonne santé. Le pays doit améliorer l'éducation, la formation et la santé pour préparer la qualité de l'élite, mais aussi la qualité de la main-d'œuvre. Vous savez, j'ai visité l'année dernière 4 fois la RDC. J'ai visité des hôpitaux et des écoles dans mon pays. Mais beaucoup de ces hôpitaux et écoles ne rendent pas les services qu'ils sont supposés assurer. Il n'y a aucune école similaire à celle où nous nous retrouvons aujourd'hui. Dans cette situation sans espoir, vous trouverez que les dirigeants congolais vont se faire soigner ou envoient leurs enfants aux études en Afrique du Sud, en Inde, en Europe, en Amérique du Nord. Mais 99% de la population congolaise doivent se contenter des mauvaises qualités des écoles et des hôpitaux donc, du pays. La solution durable du point de vue donc développement n'est pas d'aller se faire soigner ou d'envoyer les enfants aux études à l'étranger. Du point de vue développement, la solution durable doit être plutôt de construire en RDC des infrastructures scolaires et aussi des infrastructures donc sanitaires, des standards internationaux accessibles à tous les Congolais. Ceci m'amène à parler d'un défi de développement particulier, l'inclusion. Le principe de l'inclusion est simple. La croissance économique et la prospérité donc, dans le pays doit profiter à l'ensemble de la population et ouvrir des opportunités pour tous les Congolais. Pourquoi l'inclusion est-elle si importante? Si la RDC doit devenir un pays émergent, elle a besoin d'une classe moyenne solide, une classe qui puisse consommer et qui a un pouvoir d'achat conséquent. Les études montrent que la diminution des inégalités dans une société va de pair avec des phases plus soutenues de croissance économique. Autrement dit, l'inclusion ne se justifie pas uniquement par l'équité et la décence. Elle a également une finalité économique. On crée une classe moyenne avec un pouvoir d'achat pouvant lui permettre d'accéder donc au crédit, donc d'acheter et de consommer et par conséquent de faire tourner l'économie nationale. L'inclusion implique également la participation effective des hommes et des femmes aux efforts de développement du pays. Mais que faire pour que les femmes congolaises participent aux efforts de développement au même titre que les hommes? Les dirigeants congolais réservent actuellement 30% des postes dans les institutions aux gens féminins. Mais considérant que les femmes représentent environ 50% de la population du pays, nous devons rendre effective l'égalité des chances entre les deux genres, pourvu que les femmes soient aidées à travers l'éducation à remplir leur rôle de façon méritée. C'est pour cela qu'il nous faut combattre l'exclusion, le tribalisme rétrograde, le favoritisme qui ont élu domicile dans notre pays. Ce sont des antivaleurs qui n'ont pas de place dans notre société. Je propose même l'adoption des lois spécifiques et explicites contre ces antivaleurs et la mise en place de mécanismes de sensibilisation permanente pour l'éducation donc de la population à ce sujet. Toute discrimination ou violation de la loi devra être réprimandée de façon exemplaire. L'inclusion suppose également l'accès de chaque citoyen aux soins de santé et aussi au crédit bancaire, notamment pour certains de nos compatriotes qui vivent dans les milieux ruraux. Le pays devra s'attaquer à la pauvreté en milieu rural en opérant une véritable réforme du secteur agricole qui emploie plus de 60% de la population du pays. Il devra rationaliser les politiques dans le domaine de la pêche,
de l'élevage et de l'exploitation forestière de façon à ajouter plus de valeur donc dans le pays. Mais tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mesdames et messieurs, est tributaire de quoi ? De la bonne gouvernance et aussi de l'existence d'institutions fortes, y compris un système de justice indépendant, crédible et fonctionnel. La RDC a besoin d'une gouvernance responsable, intègre, exemplaire. Ce pays qui regorge des ressources naturelles immenses n'a pas besoin en réalité d'emprunter de l'argent pour sa survie. Bien que devant l'énormité du travail de reconstruction, toutes les miettes d'où qu'elles puissent provenir comptent et sont appréciées par notre peuple à leur juste valeur. Mais la trouvaille de Tambo Mbeki, qui n'a pas été contredite d'ailleurs par le gouvernement de la RDC, qui dit que 85% des ressources n'entrent pas dans la caisse de l'État, et aussi les déclarations de Luzol Bambi, conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption. Il a déclaré que chaque année, la RDC perd environ 15 milliards de dollars en termes de fraude fiscale. Ces deux éléments mis ensemble soulèvent la question fondamentale de la pertinence du budget national. Est-ce que le budget reflète donc la réalité? Est-ce que le budget capte toutes les ressources qui devaient s'y trouver? Au lieu de se tourner constamment vers l'aide des bailleurs de fonds, comme des commandeurs donc d'argent, le gouvernement devrait se concentrer sur la lutte contre la corruption, qui constitue la meilleure manière de ramener ses revenus perdus dans le budget national. En le faisant, je suis convaincu que la RDC se doterait d'un budget annuel d'au moins 72 milliards de dollars, de loin supérieur, 8 fois supérieur aux modiques 9 milliards de dollars que nous avons actuellement. Ceci m'amène au gap infrastructurel qui constitue un autre défi de développement important. La RDC est un pays immense, comme tout le monde le sait, mais qui compte à peine 24 000 km de routes asphaltées, n'a pas de réseau ferroviaire dense, ni d'aéroport, ni de port moderne, et ne peut donner de l'eau potable et d'électricité qu'environ 10% de sa population. Le gap infrastructurel en RDC est donc énorme. Pour combler ce gap, il faudra envisager d'allouer de gros moyens à la construction de nouvelles infrastructures. Le pays devra organiser la construction donc des routes et des autoroutes modernes à l'intérieur du pays, des chemins de fer, d'aéroports, des ports modernes, des écoles, des hôpitaux dignes de son nom et des systèmes de distribution d'eau et d'électricité pour atteindre toute la population sur l'ensemble du territoire national. Il devra organiser la construction de grands barrages Dinga. Pour ceux qui ne savent pas, le barrage Dinga, le grand barrage Dinga, est capable de produire 45 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique, suffisamment pour alimenter toute la RDC, toute l'Afrique et même exporter vers les pays d'Europe occidentale. Le pays devra aussi tirer profit des nouvelles formes d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire, la biomasse, le gaz méthane qui se trouve dans le lac Kivu, l'énergie éolienne, l'énergie, la géothermie, le charbon et aussi l'énergie solaire. Mais la mise en valeur de ces différentes infrastructures et sources d'énergie renouvelable va nécessiter des gros investissements privés qui ne peuvent être mobilisés que si nous relevons le défi du climat des affaires. La situation actuelle du climat des affaires en RDC n'est pas soutenable, car elle détourne les investissements privés, pousse les entreprises existantes à la fermeture et pénalise partant la création des richesses aussi des emplois. Il faudra donc poursuivre les efforts de restructuration de la dette intérieure et extérieure, qui reste très élevée, comme je l'ai dit, par rapport à la capacité de remboursement donc du pays et aussi aux besoins de reconstruction de la République démocratique du Congo. On ne doit pas se réjouir aveuglément de la stabilité du cadre macroéconomique si une telle stabilité est assurée au prix du non-paiement de la dette intérieure, mais également si une telle stabilité du cadre macroéconomique se réalise avec la maximisation des recettes qu'on obtient avec une cascade de taxes et de droits de douane, ce qui pénalise l'économie donc en réalité. Donc la combinaison de la combinaison du non-paiement de la dette intérieure et de la fiscalité dissuasive tue les entreprises au lieu de favoriser leur développement. Elle tue l'initiative privée au lieu de l'encourager. Elle tue des emplois et asphyxie l'économie nationale. L'État congolais devra remettre de l'ordre dans l'exécution budgétaire. Vous savez tous comme moi que le budget tel qu'il est voté par le Parlement congolais ne représente en rien le budget qui est exécuté dans la pratique. À ce sujet, je vous invite par exemple à regarder le site du ministère du budget en RDC. Vous verrez par exemple que dans les budgets de 2014 et 2015, la présidence de la République a connu en moyenne 153% d'exécution budgétaire. La primature, 205%.
C'est-à-dire que sur des crédits qui étaient votés, la présidence de la République s'est fait payer 53% de plus, la primature, plus du double. Par contre, la santé publique a reçu 38% simplement des crédits votés. Ceci montre que l'État ne s'occupe que des intérêts égoïstes et s'en fout éperdument de la population, ce qui dénote d'une injustice sociale criante. Faire face à un tel défi exige un État de droit et une administration publique de qualité qui sont aussi des défis de développement. Aujourd'hui, l'État n'existe que de nom et est incapable de protéger et de sécuriser la population. Il faut le restructurer pour qu'il se mette au service du peuple et aussi au service du pays. Nous n'avons pas besoin d'un État fantôme, un État qui gêne le développement du pays et opprime la population. Nous n'avons pas besoin d'un État qui ne respecte pas les droits humains et gêne les libertés individuelles. Nous avons besoin de quoi? Comme dirait Étienne Tshisekedi, nous avons besoin d'un État de droit qui s'appuie sur une armée et une police de qualité et fait régner la justice, un État qui favorise le développement au lieu de l'étouffer. Ayant opté pour le modèle d'État unitaire avec forte décentralisation, je pense que la RDC doit rendre effective la rétrocession des ressources publiques de façon à ne pas gêner le développement des provinces et des collectivités territoriales décentralisées. Afin d'éviter le développement à double vitesse, où certaines provinces avancent et d'autres sont en retard, et pour des raisons de solidarité nationale, il est important de rendre effective la Caisse nationale de péréquation qui favoriserait le développement harmonieux et équilibré des différentes provinces du pays. La démocratie existe sur papier en RDC. Mais nous n'avons pas besoin d'une telle démocratie qui n'en est pas une en réalité. La démocratie a besoin d'être renforcée dans la pratique et aussi dans le comportement des gouvernants, mais aussi dans le comportement des gouvernés, des citoyens. La RDC a une particularité. La démocratie ne peut pas fonctionner avec plus de 600 partis politiques ethniques et familiaux sans assise nationale ni vision de développement pour le pays. 600 political parties. In America, you have only two. But in the Congo, we have 600 political parties. La vie politique a besoin d'être assainie avec notamment le regroupement en deux ou trois grands partis politiques au maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Un tel regroupement devra être fait en utilisant des critères objectifs à définir, tels que le poids de chaque parti politique au sortir des élections législatives transparentes et crédibles, ou aussi sur la base de la similarité des projets donc de société. Je voudrais aussi mentionner un phénomène particulier à mon pays. Les paiements qui sont faits aux députés en échange de leur vote doivent être déclarés criminels et passibles d'interdiction d'exercer des mandats publics. Un député qui est supposé voter un projet de loi, on doit le soudoyer, on doit lui remettre de l'argent secrètement pour qu'il puisse voter dans tel ou tel sens. Cela n'est pas conforme à l'esprit démocratique. Il faudrait que nous puissions criminaliser ces genres de comportements. Cette corruption à ciel ouvert discrédite et disqualifie les institutions du pays et ceux qui la pratiquent. Donc l'institutionnalisation de la corruption parlementaire et au sommet de l'État détruit la démocratie. Je considère que le potentiel humain et le développement économique durable ne peuvent être réalisés que dans un environnement démocratique sain qui permet de libérer toutes les énergies créatives et la participation effective de tous les citoyens congolais aux efforts de développement du pays.